Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs. Que la paix, la joie, l'amour de notre Seigneur demeurent toujours en vous. C'est une joie de vous retrouver ce matin. Nous sommes réunis et en union de cœur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire pour ce nouveau jour. Merci pour le don de la vie. Merci de nous avoir fait voir le jour de ce mardi 7 novembre. Merci infiniment, Seigneur, pour ta grâce, ta bonté infinie. Merci de ce que tu nous fais grâce, que tu nous accordes le privilège d'être en ta présence encore ce matin. Nous voulons prier avec le psaume de ce jour, le psaume 130, qui dit « Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Attends le Seigneur Israël, maintenant et à jamais. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. » Et c'est avec ce psaume que nous venons auprès de toi, Père, te dire que nous voulons rester près de toi, toujours rester près de ton Fils, devant ta face, ô Dieu, ta face qui resplendit, ta face qui est si belle. Nous voulons rester là, près de toi, dans ta présence qui est si agréable, Seigneur. Alléluia. Avec moi, je veux rester là devant ta face, je veux rester là plus près de toi, Jésus, je veux rester là devant ta face. Je veux rester là, plus près de toi. Oh mon Dieu, moi je veux rester là, oh, devant ta face. Je veux rester là, toujours plus près de toi. Comme saint Augustin le dit, plus près de toi, Seigneur, je veux reposer. Plus près de toi, Seigneur, je veux reposer.
car il n'y a aucun autre endroit où je suis plus à l'aise, plus rassurée que contre ton cœur, Seigneur. Et aujourd'hui, je veux dire à un frère, à une sœur, que rester près de Dieu, c'est faire le bien. C'est faire le bien. Rester près de Dieu, c'est donner, se donner entièrement. Rester près de Dieu, c'est demeurer dans la joie. Rester près de Dieu, c'est diriger avec joie, avec humilité. Rester près de Dieu, c'est être comme Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, chaque fois que je fais le bien, chaque fois que je rends service à quelqu'un dans la rue, chaque fois que je donne quelque chose, que ce soit matériel, que ce soit de mon temps, que ce soit même spirituel, quand je prie pour quelqu'un, je me sens plus connectée à Dieu. Alors aujourd'hui, je veux vraiment nous exhorter à répandre l'amour afin de rester connectée à Dieu. C'est l'une des manières les plus sûres de rester accrochée et connectée à Dieu. Car c'est lui qui nous a créés, c'est toi qui m'as créé. Comme saint Augustin le dit, mon cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons que nos cœurs demeurent en toi et rester encore près de toi. Alléluia. Je veux rester là, plus près de toi. Moi, je veux rester là. Ma sœur, je te souhaite une belle journée dans l'amour. Et aujourd'hui, notre petit exercice sera de poser un acte, un geste d'amour, un geste de générosité, poser un geste d'humilité. Peu importe, mais un geste qui nous permettra d'être connectés au Seigneur et de le sentir plus près de nous. Que le nom du Seigneur soit béni, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen.